nombreuses années. C'est quelqu'un qui est très solide, scientifiquement aussi. Et on va aller le rencontrer tout de suite. Son nom, c'est Pascal Plaire, que j'ai eu la chance de découvrir et de rencontrer grâce aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Et franchement, c'est quelqu'un de très, très bien renseigné. Et on va aller le rencontrer tout de suite. Il va nous parler de lui d'abord. Puis après ça, on pourra entrer un peu plus dans le sujet en question. Bonjour, Pascal. Hey, comment vas-tu? Bonjour, Jean. Bonjour, bonjour. Donc, Pascal, fais-nous une petite présentation, introduction de toi et d'où tu habites et de qui tu es. Puis quel a été ton cheminement dans tout ça? Puis comment tu t'es intéressé à cette problématique-là? Tout à fait. Ben, je vous remercie. Moi, je dis bonjour à tous les francophones, que ce soit de Belgique, que ce soit, puisque moi je suis de Belgique, que ce soit de France, puisque j'ai travaillé là pendant 15 ans, que ce soit du Canada, où mon accent va peut-être être un petit peu plus bizarre que le vôtre, mais je pense que tout le monde peut s'entendre, se comprendre. Donc voilà mon parcours. En tout cas, un grand merci à Jean de m'avoir contacté. Je l'ai contacté plusieurs fois parce que je connais quand même beaucoup de choses sur les ondes. Et je vais essayer de vous résumer un peu mon parcours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à 17 ans, j'étais malade. J'avais, d'après les médecins, une pancréatite chronique et personne ne trouvait. Et un jour, je me suis réveillé en voyant le mot radiesthésie. J'ai demandé à ma mère, tiens, qu'est-ce que c'est ça? On m'a expliqué que c'était un sourcier qui regardait l'eau, etc., dans le sol. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un médecin qui était radiesthésiste. Et lui, il m'a dit de suite, avec une antenne de l'équerre, il m'a dit, tu dors en dessous d'un câble électrique, bouge ton lit de place et tu verras dans 6 mois, tu verras plus rien. Mais bon, 17 ans, c'est pas encore grand-chose, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai rencontré 4-5 médecins, puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux pendant 5 ans sur la recherche contre le cancer. Et là, j'ai quand même découvert énormément de choses, c'est-à-dire que l'habitat, avec toutes les ondes qui sont en dessous, c'est-à-dire l'eau, la faille, le champ électromagnétique terrestre et le courant, à l'époque on n'avait pas encore les ondes GSM, etc., déjà donné assez bien de maladies et assez bien de maladies chroniques. Donc j'ai pu travailler avec ces gens-là pendant 5 ans et on avait créé une société avec les 5 médecins, mais le dernier cas qu'on a eu, on a eu environ 500 cas de cancer, le dernier cas qu'on a eu, c'était une dame de Welkenraad qui habitait tout près de chez moi en Belgique, qui avait un cancer du sein. Et avec la méthode Cunen, je vais vous dire un peu plus là-dessus après, comme ça vous pourrez visiter son site, il est décédé pour le jour d'aujourd'hui. Avec la méthode Cunen, on a pu la soigner très bien. Et en faisant un scanner avec l'antenne Leiker, on pouvait voir exactement la même chose que le scanner qui était à l'hôpital, c'est-à-dire 13 métastases, alors que le scanner n'en avait que 12, et le cancer du sein où il se situait. Et quand on a soigné déjà à l'époque avec des aimants, donc n'essayez pas de vous soigner avec des aimants parce que c'est très complexe et en plus c'est des aimants qui sont faits pour au Japon, donc il ne faut pas du tout vous mettre des aimants partout parce que c'est très dangereux et surtout jamais sur la tête. Et en la soignant, la tumeur avait très, très fortement régressé et le cancérologue à l'époque de Verviers qui avait vu ça avait dit « Ah non, pas encore celui-là ». Et ils nous avaient mis l'ordre des médecins dans les pattes. Et les médecins qui travaillent avec moi n'ont pas voulu continuer avec cette méthode. Et ils sont retournés, je vais dire, à l'allopathie tout à fait normale. Donc voilà pour la petite histoire. Et moi, pendant de nombreuses années, puisque j'avais vu quand même que Walter Cunon avait d'énormes bons résultats, j'ai continué avec lui et j'ai été aussi séminaire pendant des années. Et lui avait 20 000 cas de patients, beaucoup de maladies chroniques et beaucoup de maladies que la médecine ne connaissait pas ou mal. On a pu les aider, en tout cas, avec les ondes qui passent dans la maison, que je vous expliquerai après.
et puis avec les produits toxiques, puisque bien sûr, dans une maison, il y a aussi tout un tas de produits toxiques, donc il y a tout ce qui est endogène et exogène. Ouais, hey, j'ouvre une parenthèse, Pascal, parce que je veux que les gens réalisent bien. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont là, les Johnny, Raymond, Christian, Silvanio, Alain, Nathalie, Mylène, Louisia, Christine et tous les autres qui viennent se joindre à nous. Nous autres, les contemporains, là, on est confrontés à quelque chose d'historique. Il n'y a jamais d'autres êtres humains qui ont été confrontés à toutes ces ondes, ces micro-ondes. Et maintenant, cette 5G, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a été confronté à ça. Puis on voit une multiplication de maladies mystérieuses. Hein? Moi, j'ai plein de gens, parce que je suis dans la restauration, je rencontre des centaines de gens par semaine. D'abord, des cas de cancer. Le cancer est devenu la cause principale de décès dans nos pays à nous, 3 sur 5. Et des maladies mystérieuses, Pascal, comme des douleurs continuelles, des douleurs constantes, des faiblesses constantes. Écoute, on n'a jamais vu ça. Et probablement, comme tu le dis, ça peut fortement être lié peut-être à toute cette exposition des ondes auxquelles on est confronté. Tout à fait. Tout à fait. On a pour le jour d'aujourd'hui des maladies très bizarres comme la fibromyalgie, etc. Et j'ai fait plusieurs cas. Quand on assainit bien la maison, qu'on tire tous les produits toxiques de la maison et qu'on coupe le Wi-Fi, qui est un tueur principal, et voir si les gens n'habitent pas tout près des lignes haute tension, parce que pour le jour d'aujourd'hui, les lignes haute tension sont bien plus mauvaises qu'avant, puisque c'est une onde portante, et ça porte des micro-ondes, et tous ces micro-ondes nous assaillent complètement, donc assaillent le corps de partout, et on voit des maladies chroniques qui sont de pire en pire. Je me rappelle très bien avec le docteur Cuper à l'époque, elle m'avait dit, elle avait fait médecine, elle m'avait dit un cancer du cerveau en 1980, ça n'existait pas. Mm-hmm. On avait un cas, ça n'existait pas, on en entendait même pas parler. Mm-hmm. Comme ici, j'ai eu une dame qui avait un cancer du cœur, qui était près d'un radar de 21 millions de watts, vous imaginez bien que si dans un four à micro-ondes, on met un chat, et je sais qu'il y a une dame en Amérique qui a mis son chien séché parce qu'elle l'avait, elle n'avait pas eu le temps de le sécher, et que le chien a explosé, mais j'ai entendu plusieurs cas comme ça. Bien sûr que les micro-ondes, vous imaginez, avec 100 watts dans une boîte, ça fait exploser un chat en une minute. Et pour le jour d'aujourd'hui, on a des antennes qui font plusieurs milliers de watts et qui envoient des micro-ondes un peu partout. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la 2G avait déjà des problèmes, la 3G en a eu un peu plus, puisque c'est chaque fois les vitesses. On parle souvent de la 5G pour le jour d'aujourd'hui. Mais ne croyez pas ça, c'est vrai que la 5G va trop vite, mais la 4G allait déjà très vite, et la 3G aussi, elle donnait déjà des graves problèmes. C'est vrai. Donc toi, Pascal, ce qui t'a intéressé vraiment à ça, c'était ton cas personnel, dans le fond, et après ça, tu as eu de fil en aiguille des rencontres qui t'ont éveillé sur toute cette problématique-là qu'on a de... dont des micro-ondes et maintenant la 5G. Puis déjà, comme tu dis, ça commençait avec les autres générations. Maintenant, ce qu'on constate, si on revient dans le monde présent, actuel, on est confronté à cette menace hein, de nous emmener la 5G partout. La 5G, qui est un outil, je rappellerai aux gens, essentiel pour pouvoir, pour les gouvernements, c'est un outil essentiel pour faire avancer cette biométrie qu'on veut voir un peu partout s'installer en nous donnant le prétexte que ça va nous protéger nos données personnelles, hein, la fameuse biométrie que certains pays ont déjà mis en usage et en application. L'Inde, par exemple, qui a une carte biométrique, Pascal, tu le sais, qui comprend les empreintes digitales, les empreintes de l'iris de l'œil, puis le code d'ADN en plus de d'autres informations, et que cette carte-là est essentielle si tu veux avoir accès à des services gouvernementaux puis à des services de base, comme ouvrir un compte en banque. Donc, pour arriver à avoir cette biométrie et la mettre en interconnexion dans le monde entier, tu as besoin de l'ordinateur quantique,
qui est un ordinateur d'une puissance jamais même imaginée, et qu'on doit garder à une température apparemment de ce qu'on appelle du zéro absolu. On a besoin de ça, plus de la 5G pour mettre en application cette espèce de programme mondial que les gouvernements ont, en nous vendant l'idée que ça va protéger nos données de cette biométrie qu'on veut faire avancer de plus en plus. Même au Canada, on en parle, de cette carte biométrique. Donc, au diable vert, votre carte d'identité sociale, maintenant, ça sera caduque. On veut avoir votre ADN, on veut votre iris de l'œil, puis votre code génétique. Tu as entendu parler de ça, Pascal, non? Bien sûr. De toute façon, je viens encore de lire un article le matin, et je pense que c'est toi qui l'avais posté, que Bill Gates et Trump ne veulent pas de 5G chez eux. De toute façon, ils en auront quand même, puisque la 5G est portée sur le champ électromagnétique. Oui, mais je te dirais que c'est complètement faux, cet article-là. C'est pas moi qui ai publié ça. Donald Trump fait la promotion non seulement de la 5G, mais lui, il a hâte qu'on arrive déjà à la 6G. Oui, mais tu sais, c'est des générations. Je ne pense pas qu'on va pouvoir arriver à la 6G, parce que là, pour l'instant, moi, je ne crois pas dans les hommes et dans les femmes, parce que ces gens mentent. Mais j'ai des photos ici, des arbres, et les arbres ne mentent pas. Sur toute la planète, ils sont en train de mourir. Oui, ça, c'est vrai. Tu m'en as partagé, je pense, de ces photos-là, non? Bien sûr, je te les ai envoyées. Je vais les partager. Laisse-moi 2 secondes, je vais aller les chercher, puis je vais les montrer aux auditeurs. Parce que toi, tu as fait vraiment, depuis des années, tu fais du travail là-dessus. C'est vraiment hallucinant. Bouge pas, je vais juste leur partager les photos. Comme ça, ils vont savoir de quoi on parle. Reste là. Je leur partage les photos, puis pendant ce temps-là, on parlera pas parce que je pourrais pas partager l'écran de Messenger, donc je vais juste leur montrer les photos. Tu restes là, Pascal, bouge pas. Oui. Donc, les amis, ça, c'est les photos en question. Donc, Pascal m'a partagé. Puis, j'ai remarqué aussi, si vous prenez la peine d'observer quand vous vous promenez en voiture, il y a énormément d'arbres morts, et souvent, ces arbres-là sont proches des tours ou proche ou en dessous des lignes de transport d'électricité. C'est vraiment hallucinant. On peut voir ici la quantité, et moi j'en ai, je vous en montrerai aussi des photos de ces arbres qui sont morts, et souvent c'est relié avec la présence d'une tour ou de transmission, ou relié à de la haute, vraiment des lignes de transport de haute tension. Oui, exactement, pardon. Et c'est vraiment, c'est très, très clair que, en tout cas, ces arbres-là ne sont pas morts pour des raisons naturelles. Donc, Pascal, c'est important ce que tu racontes, mais tu nous as parlé aussi, ou tu m'as parlé aussi en privé, de plusieurs recherches puis d'études que tu fais et d'observations concernant des effets très, 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 très néfastes de toutes ces ondes. Parce qu'il faut pas rêver, il ne faut pas penser que tout ce qui se promène, on est entouré d'abord d'une atmosphère, on est entouré de ce qu'on appelle un éther aussi, qui est rempli, chargé d'électromagnétisme. La magnétosphère est en affaiblissement. On a un champ magnétique incroyable. On a aussi des attaques cosmiques qui nous viennent De l'espace, du soleil, combiné avec tout ce qu'on peut nous utiliser comme ondes et modes de transmission modernes qui utilisent des ondes. Ça nous traverse le corps. On est entouré de tout ça. Faut pas penser que c'est inoffensif, Pascal. Exactement. De toute façon, ce n'est pas inoffensif. Hein. Si on a mis ça dans un four à micro-ondes, on ne pouvait pas les mettre dehors. Donc, ceux qui ont inventé le four à micro-ondes, c'est un hasard. C'est un hasard, c'est en 1940, quand les Allemands venaient avec les avions sur l'Angleterre, les Anglais ne savaient pas décoller avec les Spitfire parce qu'ils étaient déjà bombardés. Donc, ils ont inventé le radar avec les Américains, ils ont envoyé des ondes vers la Carnegie, et puis ça revenait, et ils voyaient ça sur un écho. Et quelques temps après, un Américain est passé avec une barre de chocolat dans sa poche, et la barre de chocolat a fondu près d'un canon radar, et il a inventé la poêle à froid, c'est-à-dire qu'il faisait ça dans des foires avec une poêle, il cassait des œufs dedans en dessous d'un petit canon radar, et les œufs cuisaient, et il n'avait pas de feu.
Donc, il faut regarder l'histoire pour comprendre, parce que c'est très important, il ne faut pas inventer quelque chose. Moi, je n'invente pas, vous pouvez retrouver tout ça sur le net. Après, en 1960, il y a des ingénieurs qui m'ont dit, mais tu es fou, tu prends des ondes grandes qui sont la longueur de l'eau de 2451 GHz, tu envoies ça sur des œufs et tu envoies ça sur des pommes de terre, et automatiquement, tu en envoies sur toi. Et donc, vous aurez des cancers. Ce qui s'est passé, puisque dans la littérature, on peut retrouver toute une série de cancers autour de ça. Et puis, les industriels ont pris, je vais dire, le relais et ont fait des boîtes. Et ils ont fait des boxes où ils ont mis l'antenne radar sur 2451 GHz, la longueur d'onde de l'eau, et ils ont coupé des aliments. Et ces ondes, devant, vous pouvez toujours voir, regardez dans votre forme compte, il y a une grille d'argent pur. Donc cette grille d'argent pur ne permet pas aux ondes de sortir. Et c'est ce qu'il fallait. Après, il y a eu les télécoms dans les années 90 qui ont commencé à faire des... Et on voit des vidéos sur Internet où ils disent qu'il y aura des problèmes, puisqu'ils savent qu'ils mettent des micro-ondes dehors. La meilleure preuve que j'en ai, qui est vraiment visuelle, c'est quatre photos que j'ai prises à Teux, où il y a un arbre mort torché. Et nous, c'est ce qu'on appelait l'arbre torchon. Il perd une des polarités. Et automatiquement, il meurt. Et il meurt avec la 4G sur environ 3 mois. Et sur la 5G, il meurt en 1 mois. Ça va très, très, très vite. Mais derrière, si genre tu leur montres les photos, les 4 photos que je t'ai envoyées, je pense, aujourd'hui ou hier, ces 4 photos, on voit très bien que les arbres derrière sont brûlés. Si vous vous déplacez, je me suis déplacé un peu plus loin, on voit qu'encore les arbres sont brûlés dans le rayon d'action de l'antenne. Mais 100 mètres plus loin, à 150 mètres plus loin, on n'est plus dans le rayon de l'antenne et les arbres sont verts. Donc ça, c'est bien la preuve que les micro-ondes brûlent les arbres. Et ce n'est pas ce qu'on dit. Et ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas le réchauffement climatique. C'est plutôt pour moi les milliards d'antennes qu'il y a sur la Terre qui sont en train de brûler un peu tout et réchauffer l'atmosphère. Et les ondes micro-ondes qu'il y a là autour, ben, on réchauffe tout ce qui est froid. Et en Amazonie et en Afrique, où il y a beaucoup moins d'antennes, il y a automatiquement, très bizarrement, de la neige qui tombe. Donc, qu'est-ce qui s'est en train de se passer avec ça? Quand on voit les cartes du signal, et ça, je crois que je te l'ai envoyé aussi, on voit très bien les cartes du signal avec toute l'Europe qui est... L'Europe et l'Amérique et le Canada qui sont en train de se réchauffer, et le dessous qui est en train de se refroidir. Donc, on retrouve de la neige, je vais dire, en Australie, mais pour moi, c'est normal avec ce qu'on fait avec les antennes et les micro-ondes. Ça doit être, et en plus, ça repasse dans le champ électromagnétique. Donc, les baobabs qui sont de 5000 ans, qui sont en Afrique, qui sont aussi sur le champ électromagnétique, etc., souffrent. Puisque il faut savoir que les ondes ne peuvent passer que dans le champ électromagnétique. Il y a des bandes de fréquence, mais tout passe dans le champ électromagnétique. Il suffit d'étudier Tesla au début du siècle, qui a rencontré Edison en 1800. Et bien, heureusement, à ce moment-là, ils ont fait le filaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer le courant dans des fils, et ils ne l'ont pas fait comme pour le jour d'aujourd'hui. Et s'ils l'avaient fait à cette époque-là, je pense qu'ils auraient le même problème pour le jour d'aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas la technologie de téléphone, etc., pour envoyer des ondes micro-ondes. Alors, ce qui est très intéressant, si vous regardez sur Archivo Biologica, c'est le professeur avec qui j'ai travaillé pendant des années. Archivo Biologica, c'est Walter Kühnen, un flamand, donc il ne parlait pas tellement la même langue, mais on pouvait se comprendre, puisqu'il en parlait 4 ou 5 quand même. Lui avait compris que les radars, c'est-à-dire déjà les micro-ondes, mais plutôt que l'armée, tuaient les arbres en Bretagne, et on retrouvait toute une série d'arbres tués, et près des gros radars de l'OTAN et des Américains, on retrouvait sur les montagnes les arbres morts. Et lui, il a écrit à l'OTAN et aux États-Unis en disant « Changez la polarité, n'envoyez pas du négatif et recevoir du positif parce qu'il est trop lent,
envoyez plutôt du positif vers vos avions, et quand ça va revenir, vous allez voir, les arbres vont vous reprendre. Mm. Et si vous regardez dans la littérature, dans les années 80, maintenant, on a eu des tonnes d'arbres morts que les Suisses racontaient, puisque quand il y a un scientifique qui ment ou qui raconte une connerie, on le croit plus vite qu'une personne lambda. Ça, c'est vrai. Les scientifiques suisses avaient dit que c'était plus acide. Et Cunon leur a écrit en leur disant, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, les pluies acides ne peuvent pas tomber sur la Bretagne, là et là et là. C'est justement à côté des radars qu'il y avait ce problème. Mmh. Donc moi je vois quand même une possibilité dans les télécoms, s'ils veulent bien écouter. Et ça, on le montrera la prochaine fois. Moi je viens d'avoir beaucoup de communications avec l'Angleterre. Mmh. Où il y a une personne là au bout qui s'appelle Barry Trower. Hein, vous pouvez taper ça en français, Barry Trower PDF, et vous allez trouver un PDF en français où il explique toutes les ondes micro-ondes. Mmh. Il explique exactement ce que Cunon disait et ce que moi je peux dire. Ce document permet de voir que c'est d'abord l'armée, bien sûr, qui s'est servie des micro-ondes, et puis après les industriels, mmh. et puis après ça vient dans le public. Donc mmh. ce que vous avez pour le jour d'aujourd'hui, vos téléphones portables, etc., c'est du public. Mais bien sûr, avant, il y avait les gros talkie-walkie que l'armée avait, où on passait des micro-ondes dedans. Mmh. Donc la téléphonie vient d'abord des militaires, et puis elle vient dans le public. Elle va dans l'industrie, et puis dans le public, ça c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Mmh. Et pour le jour d'aujourd'hui, je pense que si la télécom, et Barry le dit aussi dans les discussions que j'ai eues avec lui, s'il faisait des modifications et envoyait sur la bonne polarité, mmh. hein, tout organe ou tout arbre a deux polarités, mmh. et si on garde, elle est toujours en équilibre, et si on rompt cet équilibre, comme le diabète ou n'importe quelle maladie, ben on rompt l'organe, donc automatiquement on a des problèmes. Ouais, ouais. Et la médecine pour le jour d'aujourd'hui dit que le diabète, quand il y a beaucoup de diabète, on peut avoir derrière un cancer, et j'en ai encore discuté avec un médecin de cela. Cunon le disait déjà à l'époque, il disait que c'est une maladie antipolaire, le diabète, et quand le diabète ou le cancer arrive de l'autre côté, puisque c'est la même longueur d'onde. Wow. Et sur Cunon, vous pouvez aussi retrouver, il a créé une carte avec tous les organes, les polarités. Je suis en train de mettre en lien aussi dans le chat plein de choses intéressantes qui sont de Pascal, dont là je viens de vous mettre le truc de Barry Trower. Vous allez trouver les liens là de ce dont il parlait, Pascal, des micro-ondes là. Barry Trower, l'utilisation des micro-ondes dans le contrôle des populations. Je viens de vous mettre le lien dans le chat là, pour ceux qui sont intéressés. Je vous ai mis quelque chose aussi que Pascal m'avait partagé concernant Tesla et plein de trucs qu'on veut cacher, hein, qu'il avait découvertes. Puis la drôle de guerre aussi, un autre lien concernant la 5G. OK, vas-y, continue, Pascal. Donc, vous voyez, tout est lié. On n'a pas... ils n'ont pas su réinventer la roue. Le truc, c'est que les micro-ondes, ben, on sait, ça tue, mais... C'est sur ça qu'ils ont voulu faire le téléphone portable, le Wi-Fi, etc. Et tout ça, c'est pas très bien. Ça tombe comme... Et puis d'ailleurs, Pascal, j'ouvre une parenthèse. Je voudrais que les gens réalisent que ça tombe comme des mouches partout, là. Et les mouches tombent aussi. Les insectes tombent aussi. Les oiseaux tombent aussi. Tout le monde et toutes les êtres vivants sont touchés par les ondes. Combien de fois, Pascal, on a des... Puis moi, j'en parle beaucoup dans une de mes chaînes spécialisées un peu dans les changements climatiques puis tout ce que tu voudras, là, mais j'en parle beaucoup de ces événements qui se multiplient d'abord d'oiseaux par centaines qui tombent du ciel tout en même temps. Et c'est pas un hasard, là, ils n'ont pas été tout empoisonnés. Combien de mammifères marins sont déstabilisés avec leurs radars, parce que la plupart sont guidés par des radars, par toute cette multiplication des ondes
qui nous entoure, j'imagine que dans l'eau, ça doit être encore plus amplifié. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais beaucoup. C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment, puis on n'en parle jamais. On ne parle pas de ça. On va parler de Donald Trump, on va parler de toutes sortes d'âneries, on va parler de toutes sortes d'idioties pour naturellement distraire les gens, mais toutes les vraies affaires, on n'en parle pas. Tout à fait, parce que bon, les gens veulent faire du fric, de toute façon, ils sont occupés à leur boulot et à leur famille, etc. Et ils regardent autour d'eux ce qui se passe, et il y a des millions d'arbres sur la planète, des milliards d'arbres qui sont en train de mourir. Si vous regardez sur archivobiologica.com, vous allez voir sur la première page les châtaigniers non traités et les arbres qui profitent après du bioassainissement. Donc moi, j'ai toute sa méthode. Quand je fais un arbre qui est malade, je mets des contre-antennes aux ondes micro-ondes, etc. Et l'arbre reprend quelques temps après, au moins qu'il ne soit pas tout à fait mort. Donc on fait ça aussi sur les gens. Je sais vous protéger, je sais vous aider dans ce que vous avez comme maladie. Je peux vous donner toute la méthodologie. Je ne veux pas gagner de l'argent avec ça. Ce que je veux, c'est aider les gens. Ouais. Ça, c'est très important. Bien, c'est d'abord de sensibiliser les gens, Pascal, puis après ça, je veux dire une chose. Quand tu regardes dans où ça en est rendu et à la vitesse où ça progresse, toutes ces technologies-là et l'engouement des populations mondiales, je peux dire une chose, il n'y a rien qu'on puisse faire sauf se croiser les doigts. Si, moi je pense que voilà, cette conférence, si elle est un peu redistribuée vers les télécoms, etc., et qu'eux prennent conscience qu'ils peuvent changer la polarité des antennes, et si avec leurs techniciens, leurs ingénieurs, etc., ils veulent faire les essais, ils verront que les arbres vont aller mieux. Ouais. Donc, je pense que c'est possible de revenir en arrière. Okay. Mais il faut qu'ils en aient la volonté. Barry Trower le dit aussi, elle explique. Je vais revenir sur un petit événement qui vient de se passer, puisque j'ai parlé en Angleterre avec un monsieur qui s'appelle Mark Steele, dans une petite ville à Gageteet. Ils ont mis la 5G, donc ils ont abattu tous les arbres, ce qui est déjà de la débilité, puisque les arbres mangent le CO2. Il faut aussi savoir, quand j'entends à la TV ou à la radio des gens qui racontent et qui montrent des belles photos des fumées noires qui sortent des usines et qui disent que c'est du CO2, ils n'ont pas été à l'école. Le CO2 est inchlore, inodore. Donc vous imaginez ce que les gens montrent à la TV, au journal parlé. C'est des aberrations. Les médias font dans l'aberration totale. Ça, il y a absolument. Ça en est devenu burlesque, Pascal. Oui. Ça en est devenu vraiment burlesque parce que ces gens-là, naturellement, sont des fraudeurs, des crapules. Et ils ont quelque chose à vendre, et maintenant, ce qu'on veut vendre, c'est l'idée qu'on doit absolument faire de l'argent avec le CO2. C'est tout. Tout à fait. Tout à fait. C'est du mensonge, c'est pour ça que j'adore les arbres, ils ne mordent pas. Ils ne mordent pas, ils sont sur la planète, et là, ils sont très, très, très malmenés, avec nous aussi. Donc, moi, j'ai eu Mark Steele en Angleterre qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y avait des enfants qui saignaient du nez. Ah. Il y avait vraiment des graves problèmes parce qu'ils avaient mis des lampes 5G, donc ils repassent du courant dans des antennes pour éclairer les lampes, et ils passent des micro-ondes. Et s'ils passent des micro-ondes, ben, les taux de micro-ondes augmentent énormément dans les maisons et ils ont des problèmes. Donc ça, c'est, je l'ai expliqué, j'ai essayé de leur montrer ce qu'il fallait faire, etc. Parce que le problème, c'est que les micro-ondes, ils repassent aussi dans les lignes de tension, ils repassent aussi dans les veines d'eau qu'il y a dans le sol. Et j'ai un très bel exemple de ça, c'est en Californie, où on voit un arbre sur une vidéo qui est en train de brûler de l'intérieur. C'est ce qu'on peut vraiment appeler le burn-out de l'arbre. L'arbre boit de l'eau, et comme il boit de l'eau, il boit les micro-ondes, et ça fait effet d'excitation, et ça brûle instantanément. Imagine. Incroyable. Si tu regardes la vidéo, il faut la montrer. Et maintenant, on voit à gauche, à droite, des vidéos. En 2017, il y a eu les grands feux en Californie. Très bizarrement, il y a plein d'antennes GSM. Les ondes micro-ondes sont quand même
quelque chose qui attise le feu. Hein. Donc, est-ce que là, et bon, Barry, Marc et moi, Marc, c'est quelqu'un qui travaillait dans les tétrahertz, donc je pense qu'il a tout à fait raison, il est au Conseil de l'Europe, etc. C'est quelqu'un qui s'est battu, on l'a même mis en prison. C'est de la folie. Mm. C'est de la folie. Le juge l'a mis en prison pour qu'il se taise. Okay. Il en est sorti. Il y a des articles en français sur Internet. Vous tapez Mark Steele, il en est sorti parce que les avocats de la 5G ne sont jamais venus. Okay. Parce qu'ils ne sont même plus assurés. Wow. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, revenons un peu sur l'arbre qui est en train de mourir un peu partout. Oui. On dit que c'est la sécheresse. Pour moi, ce n'est pas la sécheresse, c'est un manque d'eau. Hein, quand on réfléchit à un minimum, les ondes micro-ondes, c'est la longueur d'onde de l'eau. Donc, automatiquement, on touche à l'eau. Donc, automatiquement, on réchauffe quelque chose. Si on réchauffe l'arbre et qu'on réchauffe la planète entière, ça ne va pas aller. Hein. Non. Ça ne va pas aller. Alors, pour moi, les storms qu'il y a un peu partout, les grands ouragans, etc., il suffit de les regarder, on peut voir qu'il n'est plus dans la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est l'organisation sur Terre. Si vous regardez les plantes, en fait, comme ça. Là, tu as beaucoup de photos que je t'ai envoyées sur la suite de Fibonacci. Okay. C'est toujours la même chose. Et là, on est en train de toucher à la suite de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on touche à la polarité positive des choses. Et comme toute fleur, tout animal est fait de ça, et vous allez voir avec Barry Troyer, il a dit, on n'aurait pas pu inventer une guêpe qui était, pas une guêpe, une abeille, qui était aussi bien définie pour les micro-ondes. Mm-hmm. C'est pour ça que les abeilles sont en train de mourir un peu partout. Moi, je viens de mettre un autre lien ici là, que tu m'avais envoyé. Je pense que ça provient de quelque part aux États-Unis où il doit faire beau et chaud parce que c'est une page Facebook et un palmier. Et au sommet du palmier où se trouvent les feuilles, c'est là qu'on est allé cacher ces fameuses tours de transmission, hein? On les cache à la vue des gens, mais on est entouré. Et tu sais que le problème avec la 5G, les gens ne comprennent pas ça peut-être encore, mais ils vont le comprendre, c'est que, d'abord, je vous l'ai dit, c'est pour la capacité et la vitesse d'exécution qu'on veut la 5G, mais la 5G n'a pas un grand rayon de propagation et de puissance, donc ça en prend beaucoup, 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 beaucoup dans une ville de toutes ces petites tours-là, parce que c'est vraiment très limité la puissance du rayon de la 5G. Je pense que tu pourras confirmer ça, Pascal. Et dans une ville, ça va prendre des centaines et des on parle de peut-être même de pas loin de milliers de toutes ces petites tours qu'on va cacher. Elles sont toutes petites, ces modules-là. On va les cacher avec ou on va les mettre avec près des feux de circulation, les lampadaires, un petit peu partout, parce que ça en prend beaucoup, parce que ça n'a pas une grande puissance, donc tu en as vraiment besoin de plusieurs, donc on va être confronté à des milliers de ces petites tours-là. Est-ce que je me trompe ou c'est comme ça que ça marche? Ben, tout à fait, Jean. Vous voyez sur les tours, vous voyez, il y a des antennes qui ont certainement 1 mètre 50 de haut. Il y a la 3G, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus longues, c'est la 4G. Et puis la 5G, c'est des petits boîtiers de 5 pouces. Moi, j'en ai vu, ils sont déjà ici dans ma région. J'espère qu'ils ne sont pas encore animés parce que j'ai pas du tout envie de ça. Je suis déjà un peu électrosensible, donc c'est pas bon du tout. Et puis avec l'âge, ça ne va pas mieux. Donc c'est bien ça, et en Amérique, ils font des faux palmiers, ils font des faux cactus où ils mettent les trucs dedans, j'ai plein de photos là, on voit ça. J'ai vu en Californie, là, il y a des gens qui vont filmer, les abeilles sont à terre, ils sont mortes. Ils prient, les gens prient, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai vu encore un article ici avec plusieurs cas de cancer et de leucémie dans les... Tiens, j'ai des photos, j'ai la série de photos dont tu parlais. Arrête 2 secondes, Pascal, je vais aller les partager aux gens. Bouge pas, je leur montre ça. Donc, voyez-vous ici, ça, c'est les photos dont Pascal parlait.
avec des faux palmiers. Ici, on a des faux palmiers, on voit les tours. On a même ici dans des espèces de sapins, je ne sais pas si c'était des faux sapins, Pascal, encore une fois, hein, qu'on met autour de vrais arbres pour nous faire imaginer que c'est un vrai sapin. Puis là, on peut voir exactement les tours qui sont là de transmission. On a des sapins qui sont dans un environnement montagneux, de neige, avec des tours, encore une fois. Et on nous dit la 5G fait chauffer les antennes et les insectes semblent vraiment fragilisés et victimes de ça. La mort programmée des abeilles aurait-elle lieu? Hein? Est-ce que la disparition des abeilles, parce qu'on, même moi j'en ai parlé souvent, cette disparition des abeilles qu'on voit souvent des événements spectaculaires où des millions d'abeilles ont été trouvées mortes sur des plages, par exemple en Floride, j'en ai parlé l'an dernier, je pense. Ben, est-ce que tout ça c'est relié aux insecticides, à la pollution ou en plus aux fameuses ondes? Ça, c'est sans compter, Pascal, les oiseaux qui tombent du ciel, on peut voir ici des images, hein? Je suis en train de les montrer, oui, de ces oiseaux qui tombent du ciel. Ils ont fait... Attends, je vais revenir à toi. Laisse-moi juste finir les photos. Voici d'autres photos avec les tours. On a l'impression d'avoir des arbres artificiels en Afrique du Sud. Maintenant, on est en Afrique du Sud. Le monde sera bientôt transformé en un four micro-ondes géant par 20 000 satellites. Et vraiment, c'est de l'inquiétude partout. Mystérieuses hécatombes en Norvège, 323 reines ont été foudroyées. Et ça continue. Donc, chers amis, c'est important de réaliser qu'on est dans une époque où tout ça, c'est vraiment, vraiment unique. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'humanité qui a vécu ce qu'on vit. Et ça va nous amener certainement à des conséquences très graves. OK, vas-y, Pascal. Oui, je continue. Si tu as des questions, je veux bien essayer. Donc, on revient avec tous ces oiseaux qui tombent partout. Tu m'en as parlé beaucoup. Et toi, tu as même aussi parlé de cette saison de Noël, hein, où plein de familles se réunissent, des millions et des millions et des milliards de gens sont réunis, par exemple, à la veille de Noël ou à la veille du jour de l'an. Et on profite de ces moments-là, maintenant avec la nouvelle technologie, pour s'envoyer des messages, des messages textes, et que pendant ces grandes affluences, ces grandes périodes de comment on pourrait les appeler, d'embouteillage ou de forte circulation, hein, l'heure de pointe, disons, ben, il y a des cas de crise cardiaque qui se multiplient. Parle-nous de ça, Pascal, ça c'est vraiment un phénomène hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant. J'en ai fait le constat parce que j'ai vraiment recherché tout ce qui se passait autour pour comprendre et recherché vraiment tous les articles qu'il y avait un peu partout. En Hollande, on m'a appelé parce qu'il y avait des oiseaux morts dans un parc. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est la 5G qu'on a testé. Tous les cœurs des oiseaux sont arrêtés. 300 et des oiseaux, un truc comme ça. Du jour au lendemain, ben, on a vu fake, parce que ce n'est pas ça, c'est logique, on n'a pas de preuves, donc on ne peut pas le dire. Et puis, on voit des photos et des textes qui disent des milliers d'oiseaux morts le jour du Nouvel An, à telle heure. Et puis, il y a des gens qui ont fait, à Boston, il y a un professeur qui a fait des tests, etc., qui a regardé, il y a souvent plus de crises cardiaques à Noël et au Nouvel An. Est-ce que ce ne serait pas tous les SMS qu'on envoie sur le champ électromagnétique? Et puisque le champ électromagnétique, on le sait de source sûre pour le jour d'aujourd'hui, Cunon me le disait déjà il y a 30 ans, mais maintenant les scientifiques le disent, notre cœur bat grâce au champ électromagnétique terrestre. Donc imaginez-vous si on pollue ce champ électromagnétique, notre cœur peut aussi s'arrêter. Oui, parce que c'est un fait. Quand on pense à ça, le cœur, c'est de la magie. Et souvent, ceux qui ont des problèmes de cœur, on va aller leur mettre ce qu'on appelle un pacemaker. Hein? Moi, j'ai des parents de collègues au travail qui ont eu des opérations récemment pour qu'on leur installe des pacemakers. Ce qui fait que le pacemaker, comment ça fonctionne, c'est lorsque le cœur diminue, son rythme diminue et que ça devient critique, le pacemaker envoie des chocs électrique pour remettre le cœur à bon niveau. Et c'est vrai que tout est relié à l'électromagnétisme. Et c'est un mystère.
le fait que le cœur commence à battre, et c'est un mystère que le cœur continue à battre. Et quand on a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? On prend des électrodes, des électrodes, et on donne des chocs pour ramener le cœur en vie ou à fonctionner. Donc, c'est certain que tout ce magnétisme-là, Pascal, ça va avoir un impact majeur, et ça sûrement. Et on regarde la multiplication des maladies cardiaques. C'est pas toujours juste à cause du gras et du cholestérol, là. Moi, je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de facteurs, mais il y a un facteur pour le jour d'aujourd'hui qui est terrible, c'est, et si vous regardez Greg Braden, c'est un Américain qui travaillait à la NASA et qui fait beaucoup de conférences qui expliquent que quand ils avaient mis... Rappelle-moi son nom déjà, Pascal. Greg Braden. Oui, lui, je l'aime beaucoup. Greg Braden, c'est quelqu'un qui a compris qu'ils avaient mis des capteurs sur le champ électromagnétique et qu'avant que les deux tours ne tombent en 2001, il y avait déjà beaucoup d'explications sur l'informatique. Et il y avait déjà que les mois. Et les mois ne peuvent être donnés que par le cœur. Ouais. Et cet émoi, on le voit sur les graphes. Donc, si vous regardez les conférences de Greg Braden, ben vous le verrez, vous comprendrez qu'il a compris que le cœur était relié au champ électromagnétique. Oui. Ce que je ne comprends pas. Je vais laisser son lien de. Attends, je vais laisser le lien aux gens pour. Pascal, laisse-moi deux secondes. Je vais leur envoyer le lien site de Greg Braden. J'en ai déjà parlé de lui d'ailleurs. Donc, je leur ai mis le site. Le lien pour son site, OK, vas-y, continue. Et donc, je ne comprends pas que Greg Braden, qui a travaillé à la NASA et qui a travaillé avec eux, ne comprend pas que les micro-ondes repassent dans le champ électromagnétique. Donc, si le champ électromagnétique est bon pour le cœur, il est aussi mauvais si on met trop de choses sur ce champ électromagnétique-là et si on le pollue. Mm-hmm. Et là, vous retrouvez des articles de gens qui expliquent que le Wi-Fi, les antennes GSM, etc., enfin, c'est-à-dire les micro-ondes, se superposent sur ce champ électromagnétique. Mmh. Donc, il y a trop d'interactions entre des photos, du savoir, etc., qui montrent quand même que toutes ces ondes, et vous pouvez vous en référer à Barry Trower, Mais quand on peut faire les liens entre tout le monde, que ce soit Walter Cunham au départ qui a travaillé avec Hartmann, qui a travaillé avec Schneider, qui a travaillé avec Schweizer, qui a compris les champs électromagnétiques. Vous savez, le champ de Schumann, c'est 1960. Donc c'est Schumann qui a donné son nom au champ électromagnétique, alors que les Romains les connaissaient déjà. Ouais. Il y a des années, les Romains construisaient sur les Maximus Maximorum. Hein. Mmh. Construisaient sur le réseau global. Les routes étaient construites là-dessus. Ils manipulaient les églises avec de la chaux, avec du quartz, etc. Oui. Et ils construisaient ça aussi sur des veines d'eau, sur des champs telluriques. Okay. Moi, je connais les noms simples, mais il y en a d'autres qui disent vortex, il y en a d'autres qui disent cheminée tellurique, etc. Tout ça, ça me fait bien rire, puisque ce n'est pas les vrais. OK. Concernant Walter, est-ce qu'on a un lien à donner pour que les gens puissent aller voir... Archivo Biologica. Walter Quanon, tu l'écris comment déjà? Tu m'avais donné son lien, lui, Quanon. Tu tapes Archivo Biologica. Archibiologica? Archivo. Archivo. A-R-C-H-I-B-O -B-I-O-L-O-G-I-C-A.be. OK. Donc, je vais essayer de trouver le lien pour que je puisse envoyer ça aux gens. Ils pourront aller voir ça. Ça, c'est notre ami Walter, c'est ça? C'est ça, Walter Cunon. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que il a toute une méthode pour assainir les maisons. OK. Des champs électromagnétiques, je vais dire du sol et le champ électromagnétique terrestre. OK.
Si maintenant il y a des micro-ondes, là j'ai des autres techniques comme le plomb, etc., pour arrêter sa micro-onde. OK. D'accord? OK, donc j'ai trouvé le lien, je vais leur laisser ça aussi, ils pourront aller voir ça. Bouge pas, je vais juste leur partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait, ça c'est vraiment pour les protéger. Pour se protéger, exactement. Là, oui, là si on aurait plusieurs maisons à faire l'une derrière l'autre, ben, je peux venir. J'ai tout le matériel, on trouve le matériel un peu partout, puis je peux vous le montrer. Je peux faire des conférences, je peux l'expliquer. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire, Pascal, on va s'arrêter aujourd'hui, puis on va revenir parce qu'il y a tellement de choses, puis après ça, on ira spécifiquement dans les prochaines rencontres, point par point, on va parler de choses vraiment spécifiques. Mais aujourd'hui, je voulais que les gens te découvrent, parce que moi, j'ai eu la chance de le découvrir, puis je voulais partager ça. Puis on va revenir parce que c'est primordial, c'est pas mal plus important que la politique. C'est la santé de tout le monde et de toute la faune et la flore qui est en jeu dans cette avancée continuelle de cette technologie qui nous inonde. Puis je pense que c'est trop important qu'on doit y revenir de plus en plus. Donc, Pascal, merci vraiment de ton partage aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions, hein, mais il faut aller très vite. Oui, ça, oui. Je pense que les gouvernements doivent bouger, mais tous ces gens-là gagnent énormément d'argent, ils n'écoutent pas toujours. Ouais. Mais la prochaine rencontre, je veux que notre prochain rendez-vous, qu'on s'attarde vraiment sur les conséquences avec la faune, les oiseaux, les abeilles, puis après ça, on passera aux humains. Puis on va faire un bon petit cheminement ensemble, puis peut-être qu'à un moment donné, on pourra organiser une conférence ici ou quelque chose du genre qui pourrait être... parce que le sujet intéresse beaucoup, beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mesure de t'en parler de façon crédible. Alors, c'est vraiment intéressant qu'on s'enligne là-dedans. Pascal, merci beaucoup, puis on se retrouve dans quelques jours. Je n'ai rien inventé, j'ai repris des articles de tout le monde, je les ai croisés. Je ne sais pas moi qui le dit, c'est vraiment tout le savoir que j'ai de Walter Cullen et de ce qui se passe maintenant avec les ondes micro-ondes que je peux vous donner, et je peux vous donner toutes les techniques qu'il y a moyen pour se protéger, aussi bien vous qu'un arbre ou que vos plantes, etc. Merci Pascal, puis on se retrouve le prochain volet, la prochaine rencontre, on va parler vraiment des conséquences sur la faune puis la flore. OK, merci Pascal. Exact, un grand merci Jean. Reste en ligne, je veux te parler 2-3 secondes après la fin. Technology number one, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number two, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher-frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Alors, le déploiement de la 5G va nécessiter de mettre des tours, des boîtes partout.
Et ça va dépasser tout ce qu'on a eu avant au niveau du spectre électromagnétique. Par exemple, les militaires US utilisent ce qu'on appelle les vagues millimétriques pour faire partir des manifestants, parce que l'effet cause une impression de brûlure du corps, ce qui permet de disperser les manifestants. C'est déjà utilisé par les militaires américains. Alors, on peut imaginer ce que ça va donner sur tout le monde avec la 5G. Alors, la fréquence 5G, communication. Qui opère exactement dans cette fréquence que les militaires utilisent pour éliminer des foules, va être mis partout. Alors, des petites antennes, des petites boîtes. La 5G ne travaille pas, ne va pas très loin. Donc on est obligé d'avoir des relais partout. Alors on a déjà tout ce qui est utilisé hein, pour le Wi-Fi, les phones et tout ça. C'est déjà très mauvais. Mais maintenant, mais parce que la 5G ne va pas loin, il va falloir mettre des petites boîtes qui vont relayer ces fréquences cumulatives tout le long d'une rue, partout, sur les lampadaires, à l'extérieur des maisons, dans les maisons, dans la chambre des enfants, devant les écoles, les hôpitaux, partout, dans les sociétés, partout. Alors déjà, les gens sont dans un effet cumulatif mortel tout le temps, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Déjà dans les centres urbains, hein, vous voyez un peu l'effet de ces radiations. Mais attention, la 5G va être mise partout, y compris dans les campagnes. Ils veulent mettre ça sur toute la planète. C'est un agenda inimaginable. Alors j'essaie encore de connecter les morceaux d'informations là-dessus. Une exposition chronique de tout ce que les gens ressentent partout a des effets énormes, des problèmes cardiaques, de peau, mentaux. Alors, ça endommage l'ADN. On reprend. Alors, la fertilité diminue. C'est l'extinction de la race humaine, quoi. Regardez un peu la disparition catastrophique des insectes, particulièrement les abeilles. Non seulement les toxines, les poisons dans les cultures et tout ça, mais ces fréquences ont un effet massif sur les abeilles et sur toute vie. Alors si on en augmente encore, le monde naturel est fichu là. Trevor Marshall, qui est un professeur sur l'immunité, il a fait une fondation en Californie. Alors, la nouvelle 5G, avec des fréquences extrêmement hautes, ça va faire une augmentation énorme d'énergie. Et
Et il n'y a aucune étude pour voir la nocivité. Ils s'en fichent complètement. C'est mis, tout le monde s'en fout. C'est vague, millimétrique, un effet énorme sur le corps humain et toute vie. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce processus? Alors regardez comment le cerveau fonctionne et comment les cellules communiquent dans notre corps. Hein, comment ça fonctionne, le système nerveux. Toutes les cellules communiquent électriquement. C'est des fréquences. Nous sommes à un champ électromagnétique qu'il ne faut pas déranger. Alors, si vous introduisez des fréquences et des radiations qui sont électromagnétiques également, ça va impacter immédiatement et ça va enlever la synchronicité de tout ce qui se passe dans le corps humain. Et ça va endommager l'information qui passe dans toutes les cellules et dans le cerveau. Alors, si ça dérange ces systèmes, et ensuite, évidemment, tout se manifeste par toute maladie, cancer, tout ce qu'on veut. Désharmonie complète dans toutes ses formes. Allez, attention, nous faisons un processus par le cerveau de toutes nos émotions, de façon électrique. Si notre champ électromagnétique systems, communication, sont dérangés par une technologie externe avec des radiations, la 5G, on ne peut pas insister plus sur le pouvoir destructif de la 5G. Nous allons être affectés, pas seulement pour la santé cumulative, attention les effets, mais dans notre état émotionnel et mental. Il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites qui ont prouvé ça. Si vous pouvez interférer, hein, et pénétrer dans les fréquences du corps humain et dans les processus mentaux, vous pouvez envoyer dans l'esprit des gens des pensées, des émotions, des idées. Ils vont penser que ça vient d'eux, mais ça ne vient pas d'eux, ça vient d'extérieur. C'est connu, cette affaire. Oui, qu'est-ce que Morpheus disait, dit dans la Matrix? Tu crois que c'est de l'air que tu respires maintenant? Et maintenant, il pourrait dire, vous, tu penses que tes pensées que tu as en ce moment, tu penses que ce sont les tiennes? Cette technologie va amener des pensées artificielles dans les gens. Alors, on nous vend tout ça, la 5G, en disant que c'est quelque chose de merveilleux, etc. Mais c'est pas pour ça que c'est fait, c'est pas pour accélérer toute la merveilleuse technologie des communications, sûrement pas. C'est une partie essentielle. D'un contrôle physique, mental, émotionnel des humains. Et ceci va amener la fin de la race humaine telle que nous la connaissons. To give you, before I get into
Pour vous donner une idée, avant que j'aille plus loin, de cette folie, psychopathe, arrogance, clinique, qui est derrière tout ce système. Je vais vous donner un petit clip. Tom Wheeler va un petit switch. C'était le chef de la Commission fédérale américaine d'études des communications, justement. Supposer protéger les gens. Alors que ce type a été un des promoteurs de l'industrie du Wi-Fi. Dans ce clip, Monsieur Tom Wheeler, il est en train de vous dire ce qui va se passer. Il ne vous demande pas si vous voulez, s'il y aura un débat là-dessus, pas du tout. Il vous dit ce qui va arriver. Et il dit, rien ne va l'arrêter. On ne va pas arrêter ou diminuer, enfin, ralentir ce processus hein, pour étudier les effets, pas du tout. Non, non, pas pour savoir si c'est bon. Non, non, on va le faire, c'est tout. Monsieur Tom Wheeler. C'est un exemple de la mentalité qui dirige la société humaine. Alors voici un type qui va expliquer le gros changement qui va se passer avec la 5G au niveau global de toute la planète. Avec des applications illimitées. On ne va pas étudier rien du tout, on va y aller directement pour mettre ça en place. On va amplifier tous les signaux dont nous en avons besoin sur la planète. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur l'écran, nous parlons d'une radiation de très haute fréquence entre 24 et 100 gigahertz et plus, qui va être amplifié, encore amplifié, amplifié, et qui va nécessiter un déploiement massif, énorme, de tours partout sur la planète. Alors tout ça signifie que les compagnies américaines vont bénéficier de cette nouvelle technologie. C'est une priorité nationale pour les États-Unis, la 5G. On ne va pas faire comme les autres pays, essayer de faire des études pour savoir si c'est sécurité ou pas du tout. Les effets, on s'en fout. On va opérer ça pour le bien-être des sociétés américaines, de l'économie américaine. Alors, plutôt que d'avoir des commissions et des régulations, on va y aller directement. C'est une opportunité pour l'industrie américaine. On commence déjà le déploiement en 2017. Hein. Alors, on n'a pas fini, on mettra encore d'autres fréquences en route et ça va amener des trillions de dollars à l'économie américaine. Il n'y aura pas de standard, il n'y aura pas de test. Et on va partager cette technologie, bien sûr, avec les satellites militaires. Tout va être connecté là-dessus. Et tout va être connecté avec des microchips dans les médicaments, dans tout ce que vous achetez, dans les humains, partout. Et ce n'est pas seulement dans les cités, dans les zones urbaines, mais sur toute la planète.
Donc, le gouvernement américain va prendre un rôle extrêmement important dans la mise en application de la 5G sur la planète. Et nous voulons arriver à ce qu'on appelle l'Internet des choses, l'Internet global. Et ça va amener des millions et des trillions de dollars à l'économie américaine. Et ça, c'est important. Ah, monsieur Wheeler, voilà, bien, bravo. Et c'était un chef d'un lobby qui a donc amené la Wi-Fi. Alors, vous avez ici quelqu'un qui représente une agence gouvernementale, FCC, qui est supposé faire une surveillance de toutes les communications, qu'elles soient bien utilisées pour les humains. Donc pour ce type qui a lancé l'industrie de la Wi-Fi, il veut maintenant lancer la 5G et c'est parti de toute façon. C'est imposé sur nous tous. Sur les seuls tests qui ont été faits, c'est sur l'effet de chaleur. Dans la technologie militaire dont j'ai déjà parlé. Et il n'y aura pas d'autres tests sur les effets biologiques et les effets mentaux et émotionnels des humains. Bien au-delà de l'histoire de l'effet thermique. Et vous entendez ces annonces tout le temps, là, ils disent ce qu'ils disent. Alors, quand ils parlent de niveau du gouvernement de sécurité, ce ne sont pas des vrais niveaux qui sont acceptables pour les humains, pas du tout. C'est les régulations que eux veulent mettre de ce qui est soi-disant sécurité et bon pour les humains. Ils l'ont déjà fait pour toute la technologie, l'industrie Wi-Fi, avec des fausses bases de sécurité. Alors on y est, boum. Mais ceci fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et il faut que j'y aille maintenant là-dessus. Quelques années, apparemment. Donc David Petraeus de la CIA a fait un speech il y a quelques années. Avait annoncé l'Internet des choses, Internet of Things. Alors ça, c'est fait pour connecter toutes choses au Internet, tout le monde et toutes choses à l'Internet, le frigo, le smart meter électrique, la voiture, tout ce qu'on utilise, tout. Les nouvelles voitures, tout. Alors, regardez, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux trucs qui arrivent, des nouveaux gadgets qui arrivent tout le temps. Et le plan entier est de faire une grille de communication. Il s'appelle une smart grid. C'est pour ça que tout est appelé smart, smartphone, smart grid. C'est une grille de
contrôle qu'on appelle aussi le cloud, qui connecte et contrôle tout. Si tout est connecté à l'Internet, ce qui contrôle l'Internet contrôle toute chose. C'est le plan. Mais c'est encore plus que ça. Le vrai agenda. Ils en parlent déjà. Connecter le corps humain de façon technologique avec des microchips, des micropuces, avec le même Internet, la grille smart, avec le même cloud. Et ça va plus loin que Internet des choses, Internet of Things. Parce que ça contrôle tout. If you connect toutes les technologies à l'Internet, vous connectez le corps et le cerveau des humains à Internet. Donc, le corps humain et le cerveau humain est contrôlé partout parce qu'ils contrôlent Internet, en réalité. Alors, donc, il y a un truc incessant de pousser à cette réalité-là pour l'intelligence artificielle. Regardez ce Kurzweil, le chef de Google, et qui contrôle Facebook et tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il parle, Kurzweil, que le cerveau humain doit être connecté à une intelligence artificielle pour l'année 2030. Donc, l'intelligence artificielle va faire de plus en plus de choses à la place des humains, jusqu'à ce que, basiquement, il n'y a plus de pensée humaine possible. Le cerveau humain sera un terminal ordinateur synthétique, computer, pour l'intelligence artificielle, terminale. Et la même intelligence artificielle qui contrôle l'Internet. Alors pour que ça arrive, pour faire l'Internet de toutes choses, c'est smart, gris, avec l'intelligence artificielle qui contrôle tout. Donc, ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle contrôlent tout. Ils ont un niveau de pouvoir extraordinaire. Uh-huh, 5G, nouvelle communication, voilà. Et en plus, ils annoncent que ça va être encore des trucs plus puissants après ça. C'est là qu'on peut connecter tous les points ensemble pour comprendre ce qui se passe en réalité. Et si vous avez maintenant un cloud de Wi-Fi global, tout le monde sur la planète, tout le monde sur la planète est connecté, micro-puce est connecté avec ce cloud et cette grille smart. Pour faire ça, vous avez besoin d'avoir ce cloud qui opère partout, partout, pour que tout le monde soit connecté à lui. C'est pour ça
qu'ils envoient des envois phénoménaux de satellites en orbite autour de la Terre pour vers le sol les fréquences de Wi-Fi sur toute la planète. Google est le monstre qui est derrière tout ça. Facebook contrôle tout. Ah mais c'est quoi? C'était seulement un réseau social, gna gna. Bullshit. Merde, c'est pas vrai. Si les gens pouvaient savoir ce que Google et Facebook est vraiment, mais ils ne seraient pas d'accord sur tout ce système et ce plan. Et nous avons maintenant ce Elon Musk, une espèce de type qui arrive. Alors, bon, oui, ça va être la fin de l'humanité si on connecte... oui, mais pourquoi, monsieur Elon Musk, hein? Pourquoi vous financez, vous envoyez des satellites en orbite et que vous demandez au gouvernement US d'envoyer des centaines de satellites avec ta société, monsieur Elon Musk, pour mettre la Wi-Fi sur toute la planète? Tu dis que tu as quelque chose à dire, monsieur Musk? C'est les monstres de Silicon Valley, là? Qu'est-ce que vous dites? C'est ce qui se passe, et voilà. Et si on laisse ça faire? Et si on laisse ça faire, comme des gosses, en achetant, en acceptant les diversions qui nous balancent, sans voir l'énormité de ce qui arrive. Et là, mais là, le diabolique plan. Regardez les enfants, vos grands-enfants. Et si vous êtes jeune vous-même, regardez-les. Et réfléchissez. Et maintenant, à l'intérieur de leur vie, très très rapidement, très vite, dans leur vie qu'ils sont en train de vivre là, ils n'auront plus de cerveau et pour penser. Ils n'auront plus d'émotions d'eux-mêmes. Ce sera l'intelligence artificielle qui va décider ce qu'ils pensent et les émotions qu'ils ont. Ils ont dit, oh ben David, il est fou là, ça va pas. Oui, tiens. Mais regardez autour de vous. Mettez tous les morceaux du puzzle ensemble. C'est pas difficile. Et regardez où on va là. Ce qu'ils font à Silicon Valley. Google, Facebook, tous ensemble. YouTube également. C'est la plus grande concentration de surveillance et de censure qu'on a jamais vu dans le monde. Voilà. En plus, Silicon Valley est contrôlé par des intelligences artificielles et d'autres intelligences au-dessus. Est contrôlé par DARPA, qui est le truc militaire du gouvernement US. Donc ces gens de Silicon Valley préparent la fin de l'humanité. Donc ils veulent que vous regardiez ailleurs, pendant qu'ils font ça. Alors, on vous raconte des tas d'histoires qui arrivent, des tas de faux trucs qui arrivent. Pendant ce temps-là, le plan, la 5G, le contrôle complet est en train de se mettre en route. Et en plus, c'est cumulatif, les effets. Et voilà, et on nous fait croire qu'il y a une véritable démocratie de la politique dans tous les coins. Pendant que Silicon Valley continue à préparer la fin de l'humanité.